Lualaba, province minière, réputée capitale mondiale du cobalt, un des coins de la République démocratique du Congo les plus prisés en raison de son sous-sol. Des milliers de provinces se bousculent pour vivre de près la transformation d'une des provinces pilotes. Le Lualaba n'a pas que ses gisements pour s'attirer le feu de projecteur. La province a une mine extraordinaire, moins exploitée, moins explorée, surtout moins présentée au public du pays et d'ailleurs. À l'instar de bien d'autres pratiques, le football est parmi les occupations les plus voulues dans les divertissements et l'encadrement de la jeunesse. Des équipes mythiques et historiques ont porté le nom de la ville par le passé dans les rendez-vous locaux et régionaux. Kolwezi, c'est une ville avec ses légendes. Kolwezi, c'est Simba, c'est Manika, c'est Inga, c'est Kasombo. Depuis, elles n'ont plus brillé de mille feux jusqu'à faire la place à des nouvelles ambitions, des nouvelles sensations, des petits poussés gourmands, un appétit insatiable comme celui de Blessing Lualaba FC. J'ai créé Blessing Lualaba pour encadrer la jeunesse de ma province, pour être tout près de la jeunesse, puisque vous le savez, le football a toujours été ma passion. J'ai trouvé mieux d'encadrer les jeunes en passant par le sport et surtout par le football. Avant tout, Blessing est une grande famille avec des origines qui ne nécessitent pas des milliers de kilomètres. Lorsqu'en 2004, M. Jean-Marie Tshizainga, qui venait fraîchement de quitter le comité du Saint-Éloi Lupopo, décide de créer la formation de Blessing Football Club, il s'est dit en lui-même qu'il avait encore à donner, qu'il pouvait encore servir, mais puisque Lupopo ne devait pas être un endroit où il allait pérennement travailler. Il fallait que d'autres personnes viennent et qu'on laisse la place à une nouvelle génération. Il s'est décidé de commencer à construire une jeune formation, la formation de Blessing, qui à l'époque devait commencer par l'entente de football de Lubumbashi. L'objectif, c'était déjà à l'époque d'être parmi les clubs phares de l'entente de football de Lubumbashi. Je rappelle qu'à l'époque, à l'entente, il y avait Mazembe, il y avait Lupopo, il y avait Mikishi, il y avait Lubumbashi Sport, il y avait Don Bosco, il y avait US Kenya, Hyper Psaro. Il fallait se faire la place au milieu de toutes ces formations-là. Et pour se faire la place au milieu de ces formations-là, il fallait être rigoureux et être sérieux. Et donc les bases qui ont été posées dès le départ pour ce qui concerne la formation de Blessing, ce sont celles-là. Il fallait avoir une équipe rigoureuse et sérieuse, mais aussi une équipe qui compte et qui peut faire les résultats. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, Blessing s'est maintenu à Lubumbashi au niveau de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Et lorsque, à la faveur du découpage, la province du Lualaba devient une province à part entière, et que politiquement, M. Tshizainga choisit de venir exercer ici dans la province du Lualaba, eh ben, il a décidé, au lieu de rester à Lubumbashi avec Blessing pour encadrer la formation de Blessing Lubumbashi, il a décidé d'étendre la famille en créant une formation de Blessing Lualaba. L'apothéose de cet amour a été atteinte en 2017 lorsque les Bénis se retrouvaient sur la plus haute marche du podium. Blessing terminé alors champion à l'entente de football de Lubumbashi, un des tout grands championnats pour avoir produit les plus grosses écuries louchoises et congolaises, un véritable vivier pour le nouveau-né de Kolwezi. J'avais fait recours à Lubumbashi pour créer l'équipe de Blessing Lualaba. Et j'ai fait venir des encadreurs d'autres provinces pour essayer d'avoir une ossature de balle.
Vous savez, dans ma carrière de dirigeant, j'avais toujours rêvé un jour diriger une équipe au niveau de la de l'élite de notre football, donc de la Ligue 1. Et j'ai eu à goûter à ces délices avec Lupopo. Et quand je suis parti de Lupopo, c'était mon vœu de créer une équipe qui jouerait un jour la Ligue 1 de la Ligue de foot. C'est atteint aujourd'hui, c'est un objectif, donc c'est un motif de fierté pour moi. La montée en Ligue 1, Blessing Lualaba FC est allé la chercher avec un parcours honorable et mémorable. Le petit poussé s'est frotté au meilleur de sa zone de développement. Des équipes plus vieilles qu'elle, sans trembler, les bénis y sont parvenus. Ils ont surtout arraché cette montée qui a frôlé le scandale avec un feuilleton qui a nécessité un bras de fer et un arbitrage de l'organisateur. C'est ici pour nous l'occasion de saluer le professionnalisme et l'objectivité avec lequel la commission de gestion de la foot a traité notre recours en ce moment précis où le pays traverse une crise sanitaire hors norme liée à la Covid-19. Blessing était sur tous les terrains. Une nouvelle saison s'ouvre pour le promu. Il commence ses classes dans une division supérieure, l'élite, le haut niveau. Tout le monde est aux aguets. Si vous regardez à Kinshasa, il y a Renaissance, il y a RCK, il y a V-Club, il y a DSMP, il y a, je crois, 6 à 7 équipes à Kinshasa. Et si vous revenez à Lubumbashi, il y a Mazembe, il y a Lupopo, il y a Bazano, il y a Lubumbashi et j'en passe le meilleur. Et vous revenez ici à Kolwezi, vous retrouvez Blessing. Vous retrouvez aussi Simba. En tout cas, ça prouve à Suzance que la bataille, elle est rude et ça ne pardonne pas. Nous savons tous très bien que Simba et Blessing ne font jamais route ensemble. Et donc, Blessing ne peut pas jouer pour Simba et Simba ne peut pas laisser la chance à Blessing. Et donc, il faudra travailler de soi. Il faudra mettre toutes les batteries en marche pour que les résultats suivent. À Kolwezi, Blessing a déjà marqué son territoire. Le club tape dans l'œil des curieux. La province va compter 2 représentants dans le championnat. C'est le Lualaba qui gagne, ça suscite les intérêts de plusieurs. Des représentants de la province de Lualaba, Ikuya Muzuri, parce qu'il n'a pas fierté de la province. Deuxième problème, deuxième chose, tu n'as souhaité bonne chance que ma équipe de deux. Il y a bien ma compétition. Il est bien revillé. Parce que tu n'as pas deux clubs. Il y a ma province Moya, où est dans ma Ligue 1, ni avantage, il y a province, Kisha, il n'y a pas. Province quand même foot, il y a ma province Lualaba, il n'a pas d'échou qui a pas. Saison passée, Blessing a reçu en Ligue 2, tout le monde a prestation, qui est une prestation qui est tellement bien. Mais par rapport à éviter en appendant dans Ligue 1, il fierté à la province et à Lualaba. Coup de chapeau à président Tizainga, à la Fabien Tubimoua Bizour, parce que tout le monde a une équipe moi, en province et à Lualaba, tout le monde a un Simbaléo. Il n'y a pas Blessing, quelque chose qui est manique. Blessing a été en première division parce qu'il a joué à jouer pour expérimenter. Il a besoin de première ligue. Il a joué là, tel que Mamadou est là pour Blessing. Il a joué à première ligue. C'est un tour qu'on lui dit. Il a joué à Mbaya avec Kleb, il a joué à ses commentaires à Ming, avec Kleb, il a joué à Blessing en pleine préparation déjà. L'état-major de Blessing Lualaba FC a anticipé les débuts incertains du championnat en raison de la pandémie. La direction a délégué ses émissaires ça et là pour travailler les réglages de recrutement. Là encore, le promu, dans la sérénité, prépare sa sortie tant attendue en championnat. L'entraîneur UEFA a déjà ciblé 5 joueurs de Kinshasa, dont 3 de Nujac et 2 d'une équipe de la place, pas de le nom.
et un joueur de Brazzaville, un gardien. Au Katanga, nous avons trois joueurs qui jouent la Liga et nous avons deux joueurs qui viendront de notre équipe de recrutement, Messi ou Washi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près à 30-40% qu'on va restructurer l'équipe. Deux équipes pour vendre Lualaba, plus qu'il en faut, des infrastructures de qualité. Hier, Colusi accueillait les rencontres de football au stade Manica. Cette saison, la montée des Bénis apporte une touche particulière dans ce domaine. Rénové, le stade mythique, Dominique Diour, construit en mémoire d'un grand nom de la mémoire du Lualaba, sera inauguré par le gouverneur de la province à quelques jours du go de la 26e édition du championnat national en République démocratique du Congo. Un stade relooké, tout un symbole pour les pratiquants, les représentants de la province et amoureux de la discipline. Taboka, ma équipe attend avec les Malopopo, ma norme est bien ça, tel que ma stade, tu as deux stades déjà. Et bien, tu as bien, tu as bien, À l'approche des jours fatidiques pour Blessing en première division, la direction du club a tenu à réorganiser son appareil. Des nouvelles têtes, des nouvelles idées, des nouvelles rencontres. En championnat, comment répondre à ces équations? Tout ceci a trouvé réponse au cours d'une assemblée extraordinaire et élective. Une chose sûre et certaine, le tuteur du club et président Jean-Marie Tshizainga est en place, élu avec une poignée de collaborateurs, parmi eux des visages aguerris et bien connus du public sportif. Blessing s'offre un menu qui pourra lui servir soi-même le long de son parcours. Les signaux qu'il fallait attendre du club sont lancés. Sans pour autant être prétentieux, notre club veut se doter les moyens de réussir sa première saison dans l'élite et jouera donc le maintien cette saison avant d'envisager jouer le rôle de premier plan dans les années à venir. Blessing FC Lualaba mettra un point d'honneur à participer à la Coupe du Congo de football autant que possible. Nous envisageons dans un délai raisonnable de doter le club de ses propres infrastructures, entendez un siège social digne d'un club moderne, un centre d'entraînement équipé et pourquoi pas un stade. Pour conduire les Bénis cette saison, la direction a responsabilisé un technicien moins connu du paysage sportif congolais, Jean-Claude Loboko, franco-congolais, ancien joueur. Ces derniers a parcouru plusieurs pays à l'étranger. Il détient un diplôme de haute facture. C'est beaucoup plus dans le championnat qu'il sera jugé. Loboko félicite l'énorme progression du football congolais. Le football congolais est très bon, le niveau est très élevé. Selon moi, c'est certainement le meilleur en Afrique noire. Après, il y a des choses à corriger sur le plan tactique, sur le plan de la concentration notamment, mais selon moi, c'est le meilleur football d'Afrique. C'est dans l'environnement congolais qu'il doit désormais faire ses preuves. Dans l'appareil de Blessing, la saison dernière, Jean-Claude Loboko a eu une idée de son équipe. Il a conscience des armes, des moyens qui seront à sa portée. C'est vrai, on a des jeunes joueurs qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire carrière, qui découvrent la Ligue 1. Chose pas facile pour nos coachs parce que c'est des joueurs à un niveau auquel ils ne connaissaient pas avant. Donc on les accompagne parce qu'ils ont envie d'aller loin, d'avancer dans ce football-là. Mais il est vrai que c'est un nouveau football pour eux parce que la Ligue 1, ils ne connaissent pas. Je ne peux pas citer des noms, mais il y en a pas mal. Il y a pas mal, par exemple, on a des joueurs comme les Deomwenze, on a des joueurs comme les Debaba, on a des joueurs comme les Kanida, les Mamadou, qui est notre meilleur buteur en Ligue 2, et qui sont là, et c'est des garçons qui travaillent très dur, qui ont envie d'avancer. Et quand vous êtes coach, quand vous arrivez ici, ça vous touche quelque part. Et la seule chose que vous pouvez donner, que vous pouvez faire, c'est accompagner ces jeunes-là, donner ce qu'on peut donner pour qu'ils avancent. J'avoue que c'est difficile parce que au niveau de l'expérience, en Ligue 1, on n'en a pas. On n'a pas des joueurs qui ont l'expérience en Ligue 1. On en a quelques-uns qui ont fait des bouts de match, mais pas suffisamment. On cherche des profils qui peuvent, plutôt des garçons qui ont envie de se montrer en Ligue 1.
qui ont déjà goûté, pas assez longtemps, qui ont envie de nous accompagner pour le maintien. Des joueurs d'expérience, les promus en ont besoin. Blessing ne déroge pas à la règle, le club de Colosie a piqué ça et là dans son recrutement. Mido Yale et Agozo en sont des exemples. On s'habitue vite. Et il vient de la Ligue D, nous on vient de la Ligue 1, donc on les donne l'espérance que nous avons envie. Donc nous on est déjà habitués. Donc, les amis qui tissaient, mais tous les gens qui ont déjà le col, déjà le col. Et surtout, tout le monde est bien, ok, on est déjà dans la moto, on est en Ligue D. Et puis, expérience, il y a un entraîneur au bazar en haut, de tout continuer, champion au monde qui équipe est comme il est bien, l'expérience, il y a la Ligue 1, donc il y a un groupe paysan solide. Dans le groupe, bon, je me sens à l'aise parce que bon, c'est une équipe qui vient de monter en Ligue 1 en Ligue 1. Bon, je suis venu apporter un aide, mon expérience pour que encore nous puissions travailler ensemble. Aller de l'avant. Bon, au fait, bon, mon apport dans le groupe, c'est d'envoyer d'abord la maturité dans l'équipe, envoyer bon, un esprit de gagnant, un esprit de vainqueur, afin de pouvoir envoyer beaucoup de doutes dans des équipes adverses. De quoi sera fait le mur bleu de Blessing cette saison? Jean-Claude Loboko y pense. C'est une belle équation pour un club qui monte en élite. Il va falloir mettre un bus devant le but. Je dirais que c'est notre défense. Parce que non pas qu'elle soit pas bonne, c'est que quand je parle de défense, je parle sur le plan défensif. Parce qu'on encaisse encore trop de buts. Et dans ces secteurs-là, on doit s'améliorer, donc à trouver des automatismes, à trouver les hommes qui feront qu'on encaisse le moins possible. Bien défendre, c'est aussi bien marquer. Jean-Claude Loboko, lui, pense à l'équilibre de son équipe dans un match. Non, pas forcément, parce que si vous refusez de jouer, c'est là que vous encaissez le plus. Oui, Blessing va jouer, elle gagnera, elle perdra, elle fera ma tenue ou pas, je ne sais pas. Et Blessing va essayer de jouer, parce que c'est ma philosophie, parce que le football moderne demande qu'on joue au ballon. Parce que si vous restez, vous contentez de rester derrière, c'est pas ça qui vous rassure, en fait. Mais nous, on va jouer, on joue, on va jouer. Le collectif pour les techniciens franco-congolais passe avant tout. Disons que personnellement, je n'aime pas trop qu'une équipe se repose juste sur un homme. On a notre attaquant qui est un jeune buteur qui est bon, mais qui ne connaît pas la Ligue 1. On ne pourra jamais demander à un jeune joueur qui découvre l'élite de porter la responsabilité de tout un groupe. Ça serait irresponsable. Le groupe de Blessing Lualaba FC cette saison, c'est un mélange de profils pour atteindre l'équilibre voulu. Le club se reposera sur les qualités de son meilleur buteur venu d'espoir, Mamadou Kongolo, artificier en chef l'an dernier en Ligue 2. Près de 13 buts, le niveau est élevé, le jeune attaquant est prêt à se montrer. De la technique à tout systématique de l'animation offensive, c'est bien loin que Blessing est allé piocher son détonateur. Ingoli Yosso, artisan de la montée de l'AC Rangers en Ligue 1, l'ancien académicien pourrait être la clé de voûte de l'appareil du franco-congolais. Dans le même registre, Blessing pourrait également compter sur des jeunes joueurs comme Madeda ou encore Mbaya Bondo sur les côtés. Le calendrier de la 26e édition du championnat les amène à mettre les pieds sur Lubumbashi. Les Bénis doivent jouer les champions en titre. Dans la foulée, une correspondance de l'autorité urbaine interdit l'organisation des rencontres. L'envie du promu ne change pas, il faut en finir à tout prix. Je ne vais pas rentrer dans les débats politiques. Mais il est sûr que nous, par rapport à notre planification, ça ne nous arrange pas qu'on ne joue pas. Ah, oui, bien sûr qu'il faut jouer parce que ça a été programmé, donc il faut jouer.
Jean-Claude Leboko affiche les allures d'une équipe déterminée à défendre son rang, à montrer à la face du monde ses ambitions. L'excitation, la sérénité, deux choses palpables avant d'enfiler le maillot pour jouer la Ligue 1. C'est notre première. Notre première, c'est notre première rencontre en Ligue 1. Il est normal qu'on soit un peu excité, un peu en doute positif, mais tout va bien. La motivation, elle vient d'elle-même. Après, on attend impatiemment d'être demain pour être lancé dans le grand bain. Dimanche 4 octobre, jour de match, dans son retranchement à Lubumbashi, Blessing Lualaba FC met les points sur les i, bien avant l'heure la plus attendue de son histoire. Les joueurs de Mazembe ont deux jambes comme vous. Bamsousoukoutou, ils sont moins âgés que vous et c'est le nom qu'ils portent qui peut peut-être vous faire peur. Mais moi, je n'ai jamais eu peur de Mazembe, puisque Mazembe, même quand j'étais Blessing de Lubumbashi, m'a gagné difficilement. Et on a même eu à les gagner aussi. Ne me décevez pas. N'ayez pas peur, puisque je serai là jusqu'au bout. Et moi, je sais qu'avec des jeunes comme vous, si le mental est fort, nous gagnerons ce match. Ils ont aussi peur de nous. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes venus aujourd'hui pour gagner. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher un match nul ou pour qu'on nous gagne avec un petit score. Je suis venu pour qu'on gagne Mazembe. Vous devez savoir qu'en gagnant Mazembe aujourd'hui, vous allez rester dans l'histoire. Je vais voir tout le monde concerné, tout le monde concentré. Coach, d'accord ? Tous les remplaçants concernés. Et avec tout le monde, on va aller chercher cette victoire. À défaut, n'oubliez jamais, si on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. C'est le minimum qu'on peut demander. D'accord ? Donc, on se prépare tranquillement. Je me sens prêt parce que je suis sûr de la préparation qu'on a pu faire avant ces matchs. Donc pour l'instant, je me sens vraiment prêt pour affronter les tout grands Mazembe. Certes, c'est beaucoup de charges, mais je suis obligé de les faire. Donc, à chaque fois, je suis sur le terrain, donc je suis contraint de marquer et ce sera ainsi aujourd'hui. Aujourd'hui, vous jouez un très grand match en tant que gardien de but. On ne vous aide pas. Comment vous vous sentez? Ouais, premièrement, je me sens très à l'aise de jouer Mazembe parce que c'est une grande équipe. Disons, le match d'aujourd'hui, là, ça sera un grand match pour moi d'abord et pour toute l'équipe. Parce que tout le monde va chercher à voir qui joue contre Mazembe, qui est le gardien de but qui joue contre Mazembe. C'est pourquoi j'étais vraiment concentré durant toute la semaine. Et aujourd'hui, là, il n'y a rien en face, en tout cas, il n'y a rien en face. Ouais, Mazembe, sans Mouleka, Mazembe avec Mouleka, Mazembe reste Mazembe. Quand on joue avec Mazembe, même s'il n'y a pas les Mouleka, il n'y a pas d'impôt de trésor, on sait tous qu'on joue contre Mazembe. On reste concentré sur le terrain, c'est un peu ça. Est-ce que vous reconnaissez un peu l'importance que vous avez dans ce match? Ouais, c'est un peu ça. Selon moi, un gardien, c'est le numéro un de l'équipe. L'équipe peut ne pas être en forme, mais moi, je dois toujours être en forme. C'est pourquoi je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai pas droit à l'erreur vraiment. Il faut que je sois concentré du premier minute jusqu'aux dernières minutes. C'est un peu ça. Le plan mental, c'est ça, non, un peu plus. Et puis, ça me fait une opportunité parce que quand tu as un match contre Mazembe, ça, déjà, tu as un niveau. Tu as une force, tu as un attaque, tu as un niveau. Mais il y a un Zambazar dans le monde. Dans les bons, tu as la victoire et les autres après, ils sont aussi. Bon, discours après, ça a un plaisir à trop parce que, bon, nous avons déjà, il y a recepé la parce que, il y a un peu encore à l'ingui, ma jeunesse. À l'ingui, il y a trop, après, il y a une opportunité, il y a ceux qui te battent, mais c'est le tu as toujours et c'est un honnête, mais ça n'a pas été chaque jour.
En premier mi-temps, je vais jouer avec ça parce que je joue déjà avec ça. Et en deuxième mi-temps, je vais jouer avec ça. Ça signifie quoi? Qui porte chance? C'est ça. Parce que j'ai joué trop avec ça. J'ai joué beaucoup avec ça. Ouais, ouais. C'est ça la perte de la chance? C'est ça. C'est ça vraiment la perte de la chance. Donc c'est ça. C'est le jour de gloire qui est arrivé pour les Bénis, fouler les pelouses pour rivaliser les meilleurs du pays et laisser un nom, une histoire. Blessing dispute son premier match contre le TP Mazembe champion en titre, un match de gala de prestige. David laisse le ballon à Goliath, le club résiste les 15 premières minutes, Mazembe l'assiège, Mustapha Kouyaté ou Shindi Wakubanza, aucun d'entre eux n'est adroit sur des actions pourtant en or. Ce n'est pas en revanche une meilleure partie pour Blessing sur le plan offensif. La mi-temps solde 0-0, Blessing réalise un match sérieux, les vestiaires vont avoir du beau monde. Le citron oblige des changements dans le camp des corbeaux, Mputu et Kouyaté cèdent leur place, le rythme change, Mazembe est en mode Ligue des Champions, Serangondo est en mode stopper. Kalaba le Zambia, Godri Soudi et même Patou Kabangou ne sont pas meilleurs dans le dernier geste. Le chrono a évolué au fur et à mesure, jusqu'au bout de la rencontre 0-0. Pour un promu, les étoiles dans les yeux. La jeunesse des Blessing passe un instant mémorable sur la pelouse, après le nul devant un géant d'Afrique. Pas besoin de leur rappeler, dans le coin de la tête, les Bénis ont fait le plus dur. Ils ont une place sur un nuage, après un exploit sur une des plus grosses destinations footballistiques. Le match du rêve aurait été une victoire. Mais on ne va pas cracher dans la soupe. C'est pas mal pour les garçons qui débutent en Ligue 1. Je dirais même que c'est très bien. Maintenant, ce n'est qu'un match. Il faut savoir garder la tête froide et on se projette déjà sur le prochain match. Ça ne sert à rien si on fait 0-0 face à Mazembe et aller perdre le prochain match. Bon, on joue sur le même terrain. Il est vrai que pour nos jeunes, le fait qu'il n'y ait pas un public nombreux, ça a joué, c'est sûr. Mais bon, moi je répète, sur le plan tactique, on a été bon. Sur le plan mental, on a été bon. Donc voilà, maintenant le reste, on ne saura jamais. Écoutez, on ne va pas s'enflammer parce qu'on a fait un nul face à Mazembe. Je pense que vous connaissez très bien le football, vous savez comment ça marche. C'est pas parce qu'on fait un 0-0 qu'on doit gagner tous les matchs. Maintenant, je répète, il faut confirmer, valider pour le prochain match. Dans la mesure où, quand vous n'arrivez pas à marquer rapidement contre cette équipe ou ce genre d'équipe qui défend bas et qui se regroupe en permanence, c'est très difficile de produire du jeu parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de temps morts qui coupaient le rythme à chaque fois. Ça a vraiment été un vrai préjudice. De match aussi, on va le retrouver dans la saison. Il faudra trouver des réponses significatives à ces problématiques. Enchaîner des rencontres dans une cour exigeante, Blessing devrait s'y habituer. Pour les Bénis, avec beaucoup d'envie, c'est le menu qu'ils veulent croquer. Deux jours plus tard, c'est en conquérant qu'ils mettent le cap sur la ville volcanique Goma, une destination inconnue, l'est du pays, là où les cadors se cassent les dents. Famille Mobimata Moutouté. Attends la quartier.
La délégation foule les sols gomatraciens au soir, la veille du match, à quelques heures du coup d'envoi. Aucune prise de parole d'avant-match, ni moins la découverte de la pelouse synthétique du stade de l'Unité, un challenge à affronter. Pour un promu, ils sont avertis des défis de haut niveau. Sans se plaindre, les hommes de Jean-Claude Loboko, au petit matin, vont se dégourdir les jambes. Un réveil musculaire léger, dans les encablures de leur camp de base, discrétion oblige. Entre moi avec mon coach, donc rien n'est impossible à Blessing, donc on va gagner aujourd'hui. Sera à quelques heures du match contre Dauphin Noir, et c'est une autre ville, c'est un autre match. Comment tu te sens à Goma? Premièrement, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise tout en étant concentré pour le match d'aujourd'hui. Dauphin, non, ce n'est pas une petite équipe, disons. Ce sont les habitués de la compétition. Ils ont fait ces 5-4 ans comme ça, ils sont toujours en Ligue 1. Mais nous, c'est la première fois de participer. Et donc, on est toujours concentré et serein pour affronter le match d'aujourd'hui. Coach, vous ne vous êtes pas entraîné, mais vous devez jouer à quelques heures. Et vous avez initié un réveil musculaire. Est-ce que ça va payer? Oui, on espère. On n'a pas eu le choix parce qu'hier, on est arrivé tardivement. Le temps de sortir de l'aéroport, il se faisait déjà tard, il se faisait déjà nuit. Donc, on n'a pas eu accès aux installations sportives. Donc, on a initié cette petite marche pour faire un réveil musculaire. L'heure avance, l'Hôtel des Bleus prend les allures d'un bon cœur. Les décisions sérieuses se prennent, les choix sont dévoilés. La suractivation est là, la stratégie est approuvée. Que ce soit pas le désordre. Alonso, numéro 1. Mamadou, il est où? Numéro 2. Numéro 3, qui? Qui le sent? Mido, numéro 3. D'accord? Corner défensif. Corner défensif pour nous. Ce qu'on a fait contre Mazembe, très bien. Chacun avec son bonhomme. Pas un joueur libre. Les grands avec les grands. Marquage du début jusqu'à la fin. Pour qu'un arbitre s'y fasse un pénalty là-dessus, il faut que ça soit grossier. Pensez à mettre les bras, entourer, utiliser tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de suivre du début à la fin. Est-ce qu'on est d'accord? S'il y a lieu qu'on soit à 10 joueurs de champ à défendre, il faut le faire. D'accord? Corner pour nous, Mamadou, premier poteau. D'accord? On n'a pas besoin d'être à 6 dans la surface pour marquer un but. Mamadou, premier poteau, plus 4 joueurs. OK? Samangwa, il faut y aller. Tous ceux qui sont bons de la tête, vous y allez. Mais sur le plan défensif, avant d'y aller, un bail. Si tu le sens, tu vas. Tu appelles. OK? Cool. Et le moral est plombé. On doit aujourd'hui confirmer qu'on est une grande équipe. Il faut gagner le match. Il faut gagner le match. Je ne pense pas que vous puissiez avoir peur de Dauphin. Vous avez pu bloquer le corbeau sur son terrain. Il n'a pas volé. Et alors ici, le volcan, aujourd'hui, ne va pas cracher du feu. Avec un numéro 22 imposant floqué sur son maillot, taille moyenne et une touffe de cheveux sur sa tête, Mido Yale, ivoiro-congolais, se dirige tout droit dans sa chambre. Polyvalent, latéral dans le groupe de Blessing,
Mido Yali a un long parcours dans sa carrière. Ancien Dembambané Swallows, il compte apporter son expérience à l'équipe en complicité avec son partenaire, colocataire de chambre, Mangili Agozo. On ne peut pas se dire on se voit grand parce que bon, on a mis les bas dans les roues du camp Mazembe. Au fait, bon, on peut dire que bon, c'est le travail. C'est le travail d'un groupe, c'est une famille. On a mis en tête que bon, nous ne sommes pas une grande équipe. On joue en face d'une grande équipe. Donc il ne faudrait pas qu'on se fasse ennuyer par une grande équipe parce que bon, c'est une habitude pour eux. Bon, on a essayé de se rendre aussi plus fort, afin de les faire douter, et on a réussi à le faire. On a bien préparé les matchs. Je crois qu'on va bien jouer les matchs, vu qu'on vient déjà d'y faire. Donc, on vient de jouer avec un grand club. Donc, l'expérience qu'on a pris là, donc, c'est ce qu'on va jouer avec. La prestation d'une équipe passe par le héros dans l'ombre, les yeux dans la chambre, les mains, elles, sur la porte. Jires Mutombo est à sa deuxième année au club comme intendant. Il a un grand match à jouer lui aussi. Jires Mutombo veille à chaque détail de son matériel avant tout déplacement. Il doit être meilleur à son poste lui aussi. Ça, c'est pour l'échauffement. Pour le vert, ça, ils ont porté ça à l'heure du match. Celle qui sera au banc des réserves, c'est celle qui va porter les chasubles vertes. Vous avez besoin de quoi d'autre finalement? Non, là, il ne reste qu'on prend de l'eau et le ballon. Tous les varèges, j'ai déjà distribué. Et le plot qui est là pour les échauffements, tout vraiment est tellement prêt. Pour un intendant d'une équipe, quand on est à quelques heures, à quelques minutes du match, oui. Comment lui aussi prépare son match? Oui, bon là, tout est déjà préparé. On attend seulement à jouer sur le terrain et apporter aussi la victoire. Car tout est déjà préparé. Et comment un intendant apporte à l'équipe? Qu'est-ce qu'il apporte exactement? Bon, ce que l'intendant apporte à l'équipe, c'est le matériel offert. Tout le matériel doit être prêt l'heure du match, que ce soit l'entraînement de partout. Tout le matériel doit se préparer avant que le match. Yeah.
90 minutes de bonheur dans ce choc, Dauphin Noir et Blessing Lualaba, une ambiance électrique conclue par un réalisme ambitieux du représentant de Kolwezi. Le trio Piscas Kirenge, l'Otonado Teji est bienvenu qu'emballer ce montre tranchant. Dans les premières actions, l'efficacité pêchera. Peu après la demi-heure des jeux, la réaction d'Ebeni est digne du football anglais. Récupération de Christian Kayembe, attaque rapide, Dimitri Masamba finit l'action. C'est le premier but de l'histoire du club en Ligue 1. Le score restera inchangé malgré les velléités offensives du club local. La deuxième période est tous les dangers pour Blessing car les hommes de Todé Mbouéki montent en gamme. Le bourreau des Dauphins Noirs, c'est un fils maison. Dimitri Masamba, passeur décisif après une combinaison à la Masia. Samangwa, Ingoli, Masamba, le reste est parfait. Le bateau de Blessing résiste au combat du dauphin. Le sauvetage salutaire de Mangili à Gozo est spectaculaire. ! 2-0, Blessing l'emporte. La célébration se fête, même dans les tribunes. 4 points engrangés sur 6 en 2 sorties. Les prémices de la sensation sont bien là. Retour à la maison pour poursuivre le travail. Tenir à la mort. Prince Lossala. C'est une saison de première que veut la direction du club. Jean-Marie Chizenga est le tuteur de Blessing Lualaba FC, un vieux routier dans le monde du football au pays. Nous sommes venus en Ligue 1 pour laisser une impression, pour laisser une sensation. C'est-à-dire que chaque match que nous suivons montrera comment Blessing va évoluer, va aller de l'avant et nous ne serons pas complexés vis-à-vis des équipes qui nous ont précédés en Ligue 1. Le club de Kolwezi a une idée du cercle qui l'a intégré. Il ne s'empêche pas de regarder toujours devant. Nous avons une pente ascendante jusque-là. On sait que la vie est faite de hauts et de bas. Dieu merci, pour le moment, nous sommes en train de monter étape par étape, en prenant les choses comme elles viennent. Nous voulons, à un certain moment, lorsque nous allons atteindre le pic, nous stabiliser pour pouvoir osciller, même quand on fait les bons et les moins bons, mais osciller dans le milieu de tableau, dans l'élite. Et donc, notre évolution, nous la voulons ainsi, nous voulons demeurer dans l'élite en oscillant entre le moins et le bon et le moins bon, mais dans l'élite, pas ailleurs. On se refuse toute figuration, le principe de Coubertin ne tient pas pour ce promu. Ultra gourmand, c'est un aller sans retour. Nous arrivons à ce stade de la compétition, à ce stade, à ce niveau du football congolais, et nous avons beaucoup à donner, beaucoup à montrer à nos sportifs. Et moi, je pense que tout au long de cette année, nous donnerons l'occasion à
au public sportif de découvrir notre équipe, puisque nous ferons tout pour nous maintenir. Mais à partir de l'année prochaine, nous pourrons même donner de jeunes talents, de jeunes joueurs à l'équipe nationale. Pour Blessing Kolwezi, nous avions décidé de jouer le rôle de premier plan dans la province du Lualaba et bientôt peut-être, Dieu voulant, en République démocratique du Congo. Comment y parvenir? C'est cela que nous sommes en train de faire. On a réussi déjà en 4 ans à passer de l'entente de football de Kolwezi à la deuxième division du championnat national et pour finir en première division au niveau de l'élite nationale. Et donc, cette progression ne doit pas s'arrêter là. Aujourd'hui, nous visons des objectifs plus ou moins dans nos cordes, c'est notamment le maintien, c'est notamment dans les 2-3 prochaines années aller chercher une place africaine, peut-être en passant par la Coupe du Congo ou en allant chercher la troisième ou la deuxième place au niveau du championnat national. Mais c'est des choses qui vont se faire progressivement. Nous savons que nous allons réussir, nous réussissons parce que nous ne nous mettons pas la pression, parce que nous avançons lentement. Toute la vision du club est dans la grandeur, la direction ne veut pas sauter les étapes. Avec les ambitions que nous avons, nous devons étoffer nos structures en ayant une équipe de base, en ayant un camp de recrutement des jeunes, une infrastructure propre qui pourra nous permettre de ne pas recourir à d'autres provinces ou ailleurs pour étoffer la grande équipe. Donc, comme pour me résumer, nous avons déjà des ambitions à la hauteur de l'équipe. Nous avons des structures qui commencent à naître et qui vont aller de l'avant. Mais nous visons aussi, dans un avenir proche, à tisser des liens avec des équipes européennes afin que nous puissions vendre nos talents à l'extérieur. Donc il y a ambition et structure. Nous allons mettre le tout ensemble pour que Blessing devienne une grande équipe. Rien, ni les origines ou les circonstances, ne vont éreinter la philosophie du club à l'empreinte de Blessing cette saison. Nous venons changer les donnes. Nous venons ici pour essayer de bouleverser la hiérarchie qui existe dans le football congolais. Nous le ferons, nous en sommes sûrs. Donc, ne parlez pas des petits moyens. Quand vous parlez des petits moyens, vous pensez qu'à un moment donné, nous ne serons pas capables de répondre aux attentes du football congolais, d'aller où on nous attendra pour jouer. Je crois que cette époque-là est révolue. Nous serons là au moment opportun et nous jouerons toutes les compétitions. Pas du tout. Le président peut avoir été à un moment donné satellite, mais l'équipe ne sera jamais satellite. Pas du tout. Blessing est une équipe du Lualaba, est une équipe du Haut-Katanga. J'ai une province à défendre et je le ferai pour ne pas avoir le compte à rendre à qui que ce soit. Toutes les situations sont possibles. Chez les Bénis, on en a la certitude. Ce que l'on pense mieux faire après 5 ans, c'est pousser le bouchon bien plus loin, placer la barre bien plus haut, les yeux rivés vers l'infini, l'élévation dans les hauteurs, au sommet de l'art.